Archive. Nous m'a dit Simonio, passez dans la place nous. Les enfants, passez dans la place nous. L'archive, papa, moi, gagne joie. 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 Moi, gagne joie. 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 En dedans comme moi. En dedans comme papa. En dedans comme moi, gagne joie. 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 En dedans comme moi. En dedans comme moi. Alléluia. Pasteur Bénard, dans la prédication de la parole de Dieu. Ou elle me dit ça en créole. Tout le monde ne connaît pas le créole. Ou elle me dit ça en créole. Pas de qui fait comment. Tout le monde marche à la place. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous comptons matin, parce que David te dit avant nous, il dit dans la joie, là il dit moi, en nous à la caille Seigneur. Moi-même content, la caille Seigneur. Et moi, chaque monde qui l'a déjà donné, chante, chante, gagne joie, 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 dans le cœur nous, parce que nous, la caille Seigneur, nous avec Seigneur. Donc nous disons Seigneur, merci. Pour privilège ça Alban nous, pour que nous ensemble, dans le troisième dimanche, mois novembre, pour nous adorer Seigneur. Nous avons gardé deux versets, quoi nous sommes capables de couvrir plus de versets dans Deutéronome, chapitre 8. Mais nous avons gardé deux versets pour économiser le temps tout. Deutéronome, chapitre 8. N'a plus verset 10 et verset 11 présentement. Et après ça, nous va faire un va-et-vient dans tout passage là. Deutéronome 8, 10, 11. Lorsque tu mangeras et tu rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Alléluia. Que bon Dieu, dans grâce-lui, bénisse portion de lecture ça pour édification de chacun de nous matin. Amen. Seigneur, nous camper là sans force, sans soutien, comme on servant te chante ou bien on serviteur te chante. Mais nous connaissons force là, c'est dans oublié. L'écrit dans la parole où personne n'est pas capable de dire Jésus-Christ, c'est Seigneur, c'est Papa l'Esprit. Donc nous invitons avec nous, avec l'Assemblée, et quel que soit à côté, au monde à côté, que nous avons sorti, béni, édifié, et nous avons continué à faire le travail jusqu'à ce qu'on retourne. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Sujet à nous choisir, il est bien simple. Et ces semaines, fait presque commencer. Donc, sujet à parler, par lou, il est léger, tout le monde a songé. C'est pas jamais oublier bon Dieu. Vous pouvez répéter ça? Pas jamais oublier bon Dieu. Moun qui parle anglais, il a dit never forget God. Et ça, il parle français, il a dit n'oubliez jamais Dieu. Pas oublier. Égal même bagay, pas jamais oublier bon Dieu. Verset 10, que mon cap mandé 10 et 11. Et m'a songé en 94, comme souté la semaine passée, ou t'étendé, passé 28 années dans la mission MBSH. Alors, t'es venu un programme, nous t'as dirigé, un petit problème, avec un partenaire, un blaipin. De décider de quitter. Et puis, je me suis réuni avec le comité exécutif là parce que je suis membre dans le comité. Là. Et puis, je me suis annoncé que je quitté Haïti et je suis venu ici. Je me suis après me parler avec un pasteur. Il est dans l'éternité. Il est le pasteur Dodo. Après, je me suis présenté. Ça me dit il est le pasteur, pas oublier, bon Dieu.
pas jamais oublié ça. Sans entendre, je dis, ça, c'est le moins, je pas oublié, bon Dieu. Et parce que grand pile monde qui vient, est vrai, qui oublie, bon Dieu. Il dit, pas oublié, bon Dieu. Et puis, et dimanche passé, je me fait expérience. Je dis, malgré que je pas dans la mission longtemps, depuis 1994, mais mission 1, tu voyais une plaque pour moi, même j'ai envie de voir avec Pasteur Tilamou et quelqu'un. Et je pensais, si je devine, je ne travaille pas travail, pas dans l'évangile encore, je ne pas penser à moi-même. Je dis, mais depuis le temps que tu es mission 1, ça t'a vraiment fait m'aimer. Est-ce que je songe, je travaille, je fait non seulement ça, mais je connais toujours le travail là. Et ça me encourage tout le monde, je ne pas attendre rien encore. Pas jamais oublier, bon Dieu. Parce que bon Dieu prend note. Et je me suis songé, parce que je n'ai pas de chance pour me parler, mais dans la chitoua, je me suis songé, côté, nous venons, on passe à côté, il y a un groupe de chrétiens qui réunit ensemble, ils ont parlé tout bas, ils ont murmuré, ils ont dit ça en vain, ils ont servi, bon Dieu. Et on vient chanter, on a fait tout le travail, on a fait en vain. Parce que, yo, ouais, au contraire, méchant, ils ont progressé, passé nous. Et puis, le Seigneur, même comme l'omniscient, l'omniprésent, il tendait. Et puis, c'est Léal qui dit, mais bon, je fais nous connaître un bagage. Bonjour, yes, bon livre qui écrit. Un jour, nous parlons de la différence là, entre les gens qui font bien et les gens qui font mal. Entre les gens qui servent bon Dieu et les gens qui ne servent pas bon Dieu. Donc, même si le pasteur n'est pas ta voix, l'église n'est pas ta voix, les gens n'est pas ta voix, c'est le bagage. Servir bon Dieu par jambe. Oubliez bon Dieu. N'oubliez Dieu jamais. Pas jamais oublier bon Dieu. Alors, là, nous dit mot oublier. Un bagage pour nous connaître, tout d'abord, oublier ou bien oublier, nous sommes capables de dire c'est un bagage normal pour le monde. Parce que tout le monde est capable d'oublier. Oublier, c'est l'ordre un bagage pour te faire. Comme ou pas songe fèl. On va vous te dit, ou pas songe dil. On va vous côté vous d'aller, ou pas songe l. Alors, il y a ça, blié. Mais, l'homme a regardé, m'en comprenne, non blié ya, et il y a des raisons principales, non blié. Il y a une raison, il y a une raison volontaire, et puis il y a une raison involontaire. Ça veut dire que si nous parlons d'involontaire premièrement, ça veut dire qu'un esprit d'ingratitude ou bien négligence, qu'on a des fois oublié un bagaille, comme si vous voulez oublier. Vous comprenez ça, M. Doula? Même si on a dit prier pour moi, même moment où tout la gueule là, on a dit oui, oui, mais ben, on finit avec. Et bien, quand on a dit ça pour prendre note, pour pas songer, parce que si vous pas penser à ça, c'est facile pour oublier. Combien de monde qui font bagay pour le monde, et puis après ça, il va jamais songer pour le dire non merci. Même avec 10 lépreux, c'est oublier moi les yo volontaire. Vous comprenez? Ça c'est oublier volontaire. Volontaire c'est le ou même soit par négligence, par ingratitude, ou pas sauter pour pas arrêter mais songer ou finir avec lui, son 10 lépreux. Jésus-Christ guérit yo. Et puis, neuf allés. Et puis, yon retourne. Ça veut dire, si yon a possibilité pour le retourner, l'autre n'a pas oublié, yon vraiment oublié. Yon planifié pour oublier, yon planifié pour oublier. Vous comprenez? Et ça fait dernièrement, et de temps dans le travail, et puis, yon une dame qui dit, ah, et je vais faire opération, priez pour moi. Et puis, bon, tout le temps, mon abdou me dit, mais bon, je me dis là, ok, vete là. Non? En pile, non, il dit deux, trois mots, Seigneur, accompagner ses ventes pour moi, et puis faire réussir. Je ne sais pas qu'on ait tout fait travail ça, et puis deux semaines après, et puis encore, il me dit merci. Il dit, oh, tout le bagage était bien passé. Et c'est un bagage qui vient apprendre en pile foi. L'homme doit prier pour lui, même si on n'a pas prié en pile, depuis deux mots, même moment. Parce que il y a des fois où il vient, l'autre a fait l'aller. Vous comprenez? L'aller. Donc, oublier, comme on dit, il y a des fois, il est volontaire. Et nous avons un ami, alors nous avons une chance, nous avons fait un an à travailler avec lui, il
Il est directeur, moi et mon professeur dans l'école de mission. Côté les fonds du CAC sous corail. Mon cher, c'est comme frère. L'homme de nos frères. Et me songe, il vient là, caille, il vient où est-ce nous bien en pile, en pile, en pile. Et puis, monsieur vient arriver au Canada. Il a dit l'école biblique. Et puis, monsieur vient dire bon, monsieur dit bien, je vais aller au Canada. Même, je ne pas promettre ou non. Je écrit, parce que je dis bon, pied sablier. L'autre boa, courir, je vais oublier. Moi, je chose dite, chose faite. Monsieur allé, il n'est pas chambre. Nous sommes bien, en pile, en pile. Les gens qui ont l'école publique, nous avons une cabane. Ils ont venu sur une petite cabane dans le domaine avec l'école publique là. Et c'est déjà. Je suis oublié. Alors, je me suis dit, en 1994, je suis venu à New York, dans la convention New York. C'est là, il dit, oh, le content, je suis content. Il dit, je suis en démission, je suis venu au Canada. Pour qui ne sait pas où il était, je suis venu dans l'église par lui-même. Même, je lui ai dit, il était déjà fait plein pour l'oublier. Vous comprenez? Parce que lui dit, qu'on a une pièce à oublier, au content de bagage ça. Il va s'en mal. Donc, oubliez ça. C'est pile fois que j'ai oublié. Volontairement. Au moins, ça m'a oublié. Mais, quand il y a un oublié involontaire, ça, c'est l'autre bagaille. Il est naturel. Il est non, ou même oublié. Par contre, comment oublier? Eh bien, ça veut dire que ça ne va pas dépendre de où. C'est pas ça? Mais, il y a quelques raisons. Vous comprenez qu'il compte faire mon oublié involontairement. Par exemple, vous avez une question de l'âge. Et, ça, il faut comprendre ça, l'âge. Parce que il faut comprendre que 30 à 40 ans, le cerveau, le brain, commence à se. Et ça fait longtemps que je me suis même songer ça. L'homme, l'école biblique d'été, je vais apprendre 4 pages, et bagaille, la Bible, presque, je connais toute la Bible par cœur, après, c'est facile. Et qu'on y a ça avec peine. De temps en temps, je vais apprendre un verset, de temps en temps, je vais retourner là-dedans, Au moins, mais l'or jeune vrai, yes. Capable, mais l'âge attaque. Maladie qu'on attaque, vous dans tout. Par exemple, si tu as une maladie, elle est Alzheimer, vous comprenez, au dimanche. Il attaque, nous, vous ne pouvez pas comprendre ça, faire un songe pendant nous sommes Israël. Par contre, il a été connu, je sais, de Madame Claude Noël. Vous pouvez me dire, je vous ai un plaisir à nous. Dame Baudet, belle dame, et puis l'or a chanté. Son j'ai arrivé dans la convention annuelle, Simon, il vient seulement accompagner le pasteur, il ne peut pas chanter. Il a dit, non, il ne faut pas venir là pour ne pas chanter pour nous. Et bien avec, c'est Obélis, bon Dieu, Baldouin, nous, dit bon Dieu, merci. Et bien, dans Israël, avec le pasteur Claude, tout nek, après les lacayos, les lacayos qu'on est, comment on y est. Je dis, pasteur Claude, comment madame Claude y est? Je ne connais pas trop bien. Il dit, non, pour que ça m'ouvre là. Et il va prendre ça, ça crée. Il dit même l'homme rivé, il me dit, et puis il me vient, oui, il me dit, oh, comment il y a Claude, qui est-ce qui Claude là, qui est-ce lié? C'est comme ça. Donc, laisse ça maladie attaquer ou pas un choix, vous comprenez? Donc, ça arrive, ou capable vraiment de oublier involontairement, ce n'est pas faute. Comme on dit, l'âge, maladie, et puis nature là même, il fait au consacre, il faut oublier. Donc, bon Dieu, comprenne, mais ça n'a pas dit, quelle que soit raison, si tout a gagné, mais priez bon Dieu, pour ne pas jamais oublier si tout bon Dieu. Et quand on connaît ça, même là, yo presque mouru, yo pas capable de parler. Par exemple, il s'est mis il. On s'est bien attendu. On parle avec elle, on dit, oui, même l'autre, par contre, toute bagaille. Et puis, il a battu bouche, il a chanté. Parce que Dieu fait expérience. Il a chanté avec vous. Même l'autre, il a parlé avec bon Dieu, parce que bon Dieu, c'est source toute bagaille. C'est pas ça? Dans des apôtres, il dit, c'est lui, là, et là, il y a la sous respiration, sous la vie, sous mouvement, toute sous. Donc, si vous oubliez, bon Dieu, ça fait prier, bon Dieu, quel que soit, ou cas si vous arrivez pour oublier l'autre bagage, l'autre monde, mais, par exemple, prenez chance pour oublier, bon Dieu. Ça fait, bon Dieu, il y a un problème avec le peuple d'Israël, Esaïe 1er, il a dit, cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Il dit, m'levons petit, m'occupons petit, nourris. Mais il a abandonné, il a oublié. Israël, oublié l'Éternel. Et maintenant, comme nous dit, ça, si vous n'avez pas de rien, vous pas songer rien, seulement en nous prier, bon Dieu. Vous ne pouvez pas oublier. Quel que soit votre terre arrivée,
Ah, gen moun ki te ba, te kout Haïti. Alors, l'on m'a dit kout là. Vous comprenez? Figurativement parlant, yo te kout. Kounya, si wè wote yo, yo toune géant. Géant, yon ki wou en pile. Gen moun ki te mèk, alors, mèk là peut-être trop fort, mèk te piti. Donc, moi-même, m'ap songe. Et malgré, pas trop mal dans le sens, mais pour me dire que je suis de travailler au côté de plaisance, j'ai toujours dit, je suis un peu petit comme ça. C'est frein, oui, mettez, d'ab grosse. Donc, mais quel que soit grosse, ou y est, grand pile moun, ou comprenez un petit pantalon, c'est tellement juste. Koun y a là, yo passe, yo trop petit. En tout domaine, on moun. Donc, sel bagay ou te ou, grosse ou, et même gens, l'argent vin gagne, ou gagne de l'argent, tant de content de yo longtemps, na wap compte l'argent yo, mais pas jamblier. Ça c'est clair. Non pas ça, ils nous joignent. Par exemple, nous joignent les enfants d'Israël. Et moi, dis, toujours dis ça, enfants d'Israël, ils semblent tête coupée avec Haïti. Et ni notre terre, parce que malé là, c'est mon, voilà, ou broche, avant qu'on voit, même Palestine tout à l'heure, voit ce pays, voit même avec Haïti. Et puis, les gens, vraiment, ils vivent tout, en plus, ils semblent, et puis, côté ingrat, yo, c'est même Jacques Haïti. Je ne vais pas parler, on a toutes les exceptions, mais en général, Haïti, c'est le peuple qui est ingrat. Je me souviens, après Jean-Claude Dialé, il y a un représentant américain qui était Adams qui était à Haïti. Et puis, il y a un bail louange, comment il arrive à voir Jean-Claude Dialé aller. Je me suis dit, l'ambassadeur de dit, Haïti est ingrat. Parce que ça voulait dire, c'est eux-mêmes, américains. Maintenant, tout le monde a fait, c'est Américain qui a dirigé Haïti. Vous comprenez? Tandis qu'il a dit tout l'autre monde merci, il va dire à Américain merci. Il dit, peuple haïtien. Et l'ingrave, l'ingrave, ni envers le monde, ni envers bon Dieu. Et une deuxième bagarre d'expérience, je fait. Une fois, je monte un bus, je viens de Port-au-Prince. Et puis, il y a un bon chrétien qui a chanté, le Jean-Claude Allé. Il n'y a pas de gloire, nous voyons aller, nous voyons aller. Connais qui répond. Il dit, ferme le bouchon. Tout le monde peut. Il dit, ça n'a pas parlé de bon Dieu. Il dit, pourquoi pour nous voir Jean-Claude Allé, c'est Gonaï, nous avons fait cérémonie, vaudou. Bon, après, il y a fait cérémonie, vaudou, quand j'en paye, y a marché. Donc, ça fait nous-mêmes chrétiens, on n'a pas oublié bon Dieu. Dans le passage, ça nous lit, où il dit très bien. Au songe, semaine passée, et message, il a parlé sous désert, Israël dans le désert. Après avoir passé environ 430 ans en Égypte, et puis dans Exode 3, ils ont crié à l'Éternel. Même nous avons crié à vos problèmes, la vie, nous avons crié pour petite, crié pour mari, crié pour, vous comprenez, pour travail, crié pour être. Ils ont crié, puis l'Éternel, il me tend de voir nous, et puis nous délivrer nous. Et qu'on a suscité Moïse, qu'on est pour te conduire le peuple là, et qu'on a, ils ont en route, et ils ont dû passer. Histoire fait nous connaître, ils ont été pour passer 40 jours dans le désert. Mais à cause de la rébellion, à cause de plein et à plein, bon Dieu est garé dans le désert. Il fait virer, tourner, jusqu'à ce qu'il fait 40 ans. Et quand ça arrive, il fait 40 ans. Il fait 40 ans qu'on a fait un retour perdu. On monte au descend, Côté même ici. Ou rentre en côté pour sauter ou pas sauter. Et bien, il fait 40 ans. Parce que moi-même, de traverser le désert, sauter Israël, aller à l'Égypte, il prend environ 8 heures de temps dans le bus. 8 heures de temps. Vous comprenez? Bon, il même yo fait 40 ans. Vous comprenez? Alors, laisse ça, même. Ça a pied étape fait, ok, il doit faire 40 jours. Mais pour vous, ce n'est pas une route qui est trop loin. Il fait 40 ans. Et puis, bon. C'est ça que fait bon Dieu Dieu. Qu'on y a, lorsque nous arrivons, nous quittons le désert, comme nous t'approuvons toute semaine passée, c'est le désert, il y a souffrance dans le désert, il
gen malheur dans désert, gen accident dans désert. Bon, là nous quitté Égypte, qu'on a arrivé dans immigration Égypte. Alors et Jean qui là dans immigration, il gagne un bon pour Égypte, un bon pour Israël, non seul cas là. Voilà déjà. Qu'on a nous sort d'Israël rentrer là, qu'on a et puis de traverser bon qu'on a au passe Israël encore. Et pour dans Égypte, qu'on a besoin passeport pour être collé même en Dominicanie avec Haïti, qu'on a besoin passeport pour rentrer là. Mais ça t'est passé. Qu'on a là nous fini pour nous sortir, pour nous voyager, nous pas capable. Là on a demandé pour que ça dit non parce que yo pas qu'à faire voyage ça yo facile comme ça. Il y a pourtant plusieurs, il y a plusieurs monde qui sont d'Égypte, qui sont d'Israël qu'on a pris à l'Égypte. Parce que là pour aller qui vont aller c'est un convoi toute machine ensemble et puis c'est pour gagner police devant et police derrière. Il y a passé d'où yeah. Assassin après. Parce que dans le désert ça veut dire fin partie on partie des armes avant d'entrer dans le village son l'autre partie d'où c'est comme ça lié. Donc qui fait là ouais des chefs devant chefs derrière et puis nous ça veut dire c'est pour nous que affaire désert hein? C'est pas un jouet lié mais bon Dieu fait peuple là pour aller traverser des airs hein? C'est ça fait qu'on y a là nous aller dans verset 8 là bon Dieu que t'en rappelé yo toute souffrance toute misère était passée il dit mais qu'on y a nous pour aller rentrer dans la terre promise Canaan. Alors Canaan il même son bagage spécial lié déjà Canaan songez dans Exode 3:8 bon Dieu l'a dit peuple Israël OK m'tendez voix nous m'a venir délivrer nous pas dans souffrance m'a mener nous Canaan un pays côté lait et miel coulé. Dans l'esprit, dans l'Exode 3:8, là où le lait et le miel. Bon. Et parole, ça, son parole, l'illittéral et le figuratif tout. Vous comprenez l'illittéral dans le sens que Israël, dans le pays, ça, il y a tout bagarre là dans le vrai. Son pays à l'aise, et bon Dieu te dit ça. Vous songez, même là, Moïse te voyait espion à l'explorer, je te retourne. Je dis mes amis, c'est un pays délice. Je dis ça, puis même, je prends un exemple. Je dis un grappe raisin. C'est deux hommes qui peuvent porter un grappe raisin. Si vous voulez un grappe raisin, allez dans Stoyo Publix, et puis Wendy C, whatever, Walmart, ou un grappe. Mais si tellement un grappe raisin, wow! Et même, bien songé à Haïti. L'autre, dans Haïti, tu as donné patate. Patate, puis gros, c'est tête, là, il y a des patates. Ah! Mais quoi c'est yo, banane, etc. C'est comme ça un pays de bénédiction, un pays vraiment de grâce. Alors, bon Dieu dit yo, là nous vivons dans un pays, c'est à côté de l'aide avec miel poulet. Et comme nous dit l'idéal, le figuratif, dans le sens que l'ivre de son pays de l'abondance. Il y a toute bagaille là. Et nous, notre expérience, nous avons fait moi-même, de visiter trois pays à la fois. Là, nous allons dans la visite par nous, dans Israël, Grèce et puis Égypte. Mon cher, quand on te mange plus bien, c'est Jérusalem. Dans le banquet, il fait rien, vraiment de manger en abondance. Là, nous vivons en Égypte, c'est pas qu'on goûte manger. Oui, là, nous vivons en Égypte, là, juste quand on finit de manger, tout le monde dit, ça y est, nous, là, ouais, c'est pas même bagaille. Et ça, c'est Égypte, tout, et mouche qui a volé. Même Jean Ouel dans la Bible, tout le monde passe mouche, poussière. Histoire Bible là, parfois nous tendons lits et puis nous même pensons, ah, c'est comme si c'était un rêve, son mythe. Jusqu'à présent, mouche yo là, c'est pour prendre la roue mouche. Et puis un petit moment, que ça les tempêtes et dos, tempêtes. Et pour un moment, poussière, elle veut couvrir tout le monde. Et puis misère, après côté, ouais, mon yo, passé l'on a passé, madame ma petite, a pu demander, bayon tidola. Quoi, mais Israël, son lot d'affaires. Alors, son pays vraiment béni, parce que bon Dieu est béni depuis longtemps, parce que depuis dans Genèse, chapitre 12, verset 1 à 7, son Dieu, bon Dieu, a choisi Abraham, il dit, regardez, quitte le pays, quitte la patrie, quitte la même famille, on peut aller dans un non-pays, et pays ça, lit pour vous, et puis pour descendants, son pays béni. Et bien, c'est comme ça, le peuple a pris le rentrer, sauter dans la misère, pas qu'à manger, pas qu'à boire, vous comprenez? Parce que vous souffrez, même le bon Dieu va manger. Mais bon Dieu, vous avez raison de le quitter, au fond bon coup de grand goût tout, oui, avant de manger. Oui? Parce que là, nous lisons le passage, là, plus tard, quand ça le dit, il dit, c'est un l'école, bon Dieu, t'a fait avec le peuple là. A éduqué, et puis l'a humilié, tout.
Parce que yo trois gros, yo senti yo pas besoin bon Dieu, fait yo grand goût, là yo presque mouri, bon Dieu fait la manne tomber. Il fait soit de l'eau mais couper pour y aller bailler de l'eau. Il a des maladies serpent, tuer combien parmi yo. Après ça, il voyait une solution serpent des reins pour yo garder etc. Mais kounya, ça veut dire bon Dieu dit bon kounya c'est pas même bagage, c'est pas des ans, non, c'est la vie en Canada. Et nous sommes tous les gens canariens. Et si tellement, quelque l'autre bagaille ou t'as dit, même dans le canarien, pour qu'on puisse aider sous affaire canarien, il dit que, verset 7, là, Dieu, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de coups d'eau. Coups d'eau, il y a des rivières. Il y a des rivières. Après ça, dit, source. Attends, l'autre affaire. Gen rivière, gen source. Gen coude l'eau, gen rivière, et puis gen source. On l'autre côté, elle même dit, et après ça, oui, il dit, et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Où est-ce que j'en sais rien? Semaine passée, yo, ça fait Bible là, d'où faut, vous comprenez, un texte sans contexte est un prétexte. Ou, gen les fois, autant de vallées, c'est comme si vallées pas gagnent, bon là-dedans. Gen vallées, quoi, vallées de Baka. Son valet sous passer là-dedans, vous entendez, ou ap mourir. Mais valet Jérusalem dans les bio, il fait de l'eau dans le valet, même dans mon nion, il y a de l'eau. Ça veut dire, c'est bénédiction. Et, on va dire, moi, le Seigneur te dit, il y a longtemps, mais l'analyse Israël dernièrement, nous tout allé, qui ça nous voit? Il y a de l'eau dans tout mon nion, vrai? Mais ce genre de l'eau, c'est pas seul de l'eau, non? Mais c'est tuyau. Il y a pas de l'eau passer dans tout le monde, arroser terre, ça fait jardin dans tout le monde, avec tuyau, ou alors passer au bref, ou est tuyau, ou est tuyau. Juste, même vraiment, parole là, toujours là, de l'eau dans la vallée, de l'eau dans le monde. Ça, c'est pas extraordinaire. Alors, nous constatons l'Éternel, c'est bien, je ne vais pas m'en rien. Ça veut dire que vraiment, depuis là, ça, là, pour nous entrer canarin, son côté arrivé, il ne pas manquer. Rien. Et, mais on connaît un danger. En pile fois, quand tout va comme si des roulettes, quand on ne manque rien, ou pas manque rien, on a tendance pour oublier bon Dieu. Ça, c'est un bagage universel lié, tout fait. Depuis tout bagage marchait bien, on a songé un peu le monde, avant pour y avoir un petit visa pour y venir, jeune, il fait, il y a dans toute tête montagne à Haïti. Le bagage. Il y a des gens qui sont petits, les amis, ils font nuit. Oh, ils prient, ils cherchent, pour les gens petits. Les gens qui ont besoin de mari, par contre, ça, ils font. Ils prient, en pile fois, et des fois, le bon Dieu finit béni, mais ils n'ont pas gagné de temps encore pour bon Dieu. Ça, je me dis, je me raconte une histoire déjà. C'est un pasteur qui a raconté, il est fidèle. Et puis, qui a venu l'église chaque dimanche. Mais chaque dimanche, là, à un seul canson, un seul pantalon. Et puis, mais chaque fois, il vient dire, frère, je prie pour moi, pour mon Dieu changer la situation. Je prie pour moi, Chrétien, prie. Et puis, comme je dis, prie à monter, grâce à descendre. Je viens de plusieurs pantalons, des toits, et puis, je suis entré dans le business, comment c'est fait. Depuis, je suis là, comment c'est marché, je suis pas venu à l'église encore. Je suis venu à l'église. Il y a une église. Yeah. Et puis, mon jeu passé dans la route, il rencontre avec monsieur. Il dit, frère tel, ah, pas m'paoué ou l'église. Il dit, passé, n'est pas gagné tant qu'on y a, n'est dans business. Ah, il y a fait, bah. Mais bon Dieu, il y a des fois, son Dieu dit, mais il y a tout. Et sans plus, il ne va pas comprendre. Oui, il y a fait des bagailles. Où qu'on est, mon Haïti, qui est déjà, il a dit, on des veines qui tombent sur monsieur encore. Nous-mêmes, nous avons dit c'est malédiction. Monsieur perdit tout l'argent, tout le bagage, il vient réduit à un pantalon encore. Quand il dit après mon pantalon, premier jour qui paraît l'église, c'est lui-même. C'est ça qui fait que des fois, bon Dieu quitte nous dans des situations, comme ils sont l'école là pour faire avec nous, pour le préparer. Parce qu'il veut sauver nous. Et pour lui, nous y Mais s'il quitte le bagage à marcher bien pour nous, ça ne nous pas prendre loin, il y a des fois. Fais-nous passer un peu près. Dis d'abord nos petites la pibonnet. Mais si nous jouons une pibonnet, nous avons besoin de petite la vie pour une tête, nous ne pas même connaître encore. Et des fois, Maria, nous avons besoin de Marie, nous avons besoin de Marie, nous avons besoin de Madame.
comprendre. Et puis souvent, il tient nous là toujours. Et c'est après la Bible a dit toutes choses concourent bien de ce qui est Dieu. Et ça ne veut pas dire que nous avons perdu. Mais si tout peuple Israël ça fait le peuple Israël, toujours peuple, mais il fait souffrir. Alors le Seigneur te dit, bon Dieu dit, ok, nous parlons dans le pays côté de l'État miel qui a coulé. Comme nous te disons, il y a un pile de bagaille, nous joignons, par exemple, là, finir là, oui, après là, il y a un pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, mes amis, pays d'olivier et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance. En gros créole, nous t'a dit manger pain, manger plein, vente de boutonnets. Ah, manger plein, vente de boutonnets. Ou l'autre français a dit manger à satiété. Si tellement que manger, nous, ouais. Même j'en ai vu aujourd'hui à vrai. Ce n'est pas critique. Moi-même, l'homme t'est levé. En plus, tu manges à te mesurer. Malgré que tu as une chance, c'est moi celle qui est dans la caille. Tu comprends? Il y a des gens qui connaissent voisins qui ont 10 petites, 8 petites. Ça compte si tellement arrivé que des fois, maman même qu'on oublie une petite dans manger. Tu comprends? Et des fois, oublier, faire plat. Mais quand il y a ici, et puis, quand il y a ici, mon expérience me fait, je dis en pile fois, je suis content de l'expression sur Haïti. Timon vicieux. Je ne sais pas si je ne pas de connaître. Mais je te dis, par exemple, Timon apprend un sucre. Et puis je me dis, mais Timon n'est pas vicieux, non, mes amis. Il y a un grand goût. Quand il y a Timon ici, comme là, quand il y a un petit peu de temps, moi même si je me dis, l'argent à terre, là, il tombe là, seulement là, pour le mettre là, moi. Parce que, frigide, il y a une salle, il y a une boîte ici. Tandis que je me dis, Timon est vicieux, vicieux, pas faire monde, pas faire monde. Mes amis, vont ta femme et n'apprend d'oreille, ça vite pas camper. Donc, pour nous avoir l'abondance, j'ai à droite, j'ai à gauche, longtemps, l'autre, on a fait un j'ai à. Comme ça, j'ai même l'entrée de l'école biblique. Parce qu'on fait des blagues avec moi. L'autre, on a fait un petit manger, on met des typos j'ai à là. Et mon cher, des fois, il y a un nec même, même si j'ai des gros amis. Et les lui, nos chéris, j'ai voyagé. Je sais que j'étais à mon côté. L'autre, on a fait un j'ai à coulé, oui. Coulé de petits sucres là-dedans. L'homme, monsieur, va la boîte à blanc, monsieur, depuis le prend devant, monsieur, le presse boîte. Monsieur dit, mais c'est ça, mon gars, pour moi-même. Et il va garder l'autre monde. Ouais, mais quand il y a là, il y a là, là, il y a là, ah, mes amis, moi-même, comme les fois, je ne vais pas occuper J, je ne vais pas occuper Coca, je ne vais pas occuper rien. Venez toutes ces bénédictions, bon Dieu. Alors, c'est ça, mon Dieu, le peuple, seulement, là où on bénit, pas oublier, bon Dieu. Gagnons, on s'en c'est dans Jean 5, verset 8. Son verset ça. C'est la Bethesda, pas nous en sorti. Un homme qui était bon, piscine Bethesda, on était malade depuis 38 ans. Nous ne savons pas combien de temps faire bon piscine, non, mais malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Mais nous avons même déclaré là longtemps, pas combien de jours, bon piscine. Tout le monde, la guerre, quoi, pas qu'à la guerre, et puis Jésus qui est passé, il dit, ah bon, là, toujours, il dit, bon, même pas qu'un monde pour la guerre. Et même si on est en Haïti, les propagandes ne sont pas au frère, moi, je ici, on peut le faire, on regarde tout le monde. Mais Haïti, vous voyez, les propagandes ne sont pas au frère, dans tout. Et puis Jésus-Christ nous dit, il y a le problème, seulement, regarde, jeune homme, prends ton lit et va. Alors, quand on a mis le plus bien pour nous, fait ensemble plus Haïti, il dit, prends Nato. Parce qu'il y a un peu de monde là, on a fait Nato, on a fait Nato. Nato. Un peu de monde, c'est une Nato qui a l'autre de paille. Vous comprenez? Qu'on y a, où est votre cabane? Parce que, où est mes amis? C'est gros causé. Ça me l'a dit grand pile fois. Je veux dire, laissez de faire nous marcher avec notre nous tout. Et nous n'avons pas de connaissance, chaque fois, nous avons gardé derrière. Parce que, puisque j'étais notre, elle ne sait pas faire ça, ça c'est à faire, elle fait, qui t'est allé. Mais elle dit, garde, on prend notre marcher avec elle. Là, on paraît de côté pour ne pas comprendre où tu fais tout grand, comme chanter, comme souter. Ou qu'on aime faire tout de bien, de faire dans le palais, de faire. Vous comprenez? Donc, laissez de dire, peuple là. N'a pas entré, n'a pas tout bagaille. Songez seulement, pas oublier l'éternel. Et encore, c'est ça nous dit, pas oublier. Malheureusement, chose dit, chose, peuple a oublié l'éternel. Mais même Jean dans verset 1, il te dit, regardez, verset 10, regardez, verset 19, il dit, si tu oublies l'éternel ton Dieu, que tu ailles auprès d'autres dieux, et si tu les sers, et les prosterneras et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous parce que
vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Ouais, ça bon de te dire. Puisque, il n'y a pas qu'on arrive, non? Il dit non, attention pour ne pas oublier l'Éternel. Vous venez d'expression ça trois fois. Gardez-vous d'oublier l'Éternel. Gardez-vous d'oublier l'Éternel. Prenez garde de ne pas oublier l'Éternel. Mais si nous arrivons à oublier l'Éternel, même ça qui est arrivé à l'autre nation, après nous, eh bien, l'Éternel a fini nous. Et c'est ça que fait, ou après le peuple arrivé, canavré, il a mangé, il a boué, etc. Eh bien, en 597, et distribuer d'Israël, du royaume nord, parce que le pays a été divisé en deux royaumes, royaume nord et royaume sud, nord, c'est Israël, sud, là où il est là, Judée, eh bien, ou bien Jérusalem qui est capitale, et puis nord, c'est Samarie, eh bien, Assyrien, il est venu, il a pris distribuer parmi 12 tribus d'Israël, là. Et puis, il y a la captivité avec eux. Et tout ça, il n'y a même pas de gens qui ont passé. Et puis, il y a pas de encore. Et plus tard, vous voyez ça? Plus tard, ça n'a pas fini, non? Il y a Nebuchadnezzar, même, venu, et puis il prend Juda. Et après ça, il a écrasé, il a détruit le temple, détruit Mian, etc. Et ça fait Israël devine passer 70 ans en captivité en Babylone. Parce qu'il est venu oublier l'Éternel. C'est, ça veut dire, comme nous, son peuple qui semble avec nous, mais chaque fois, nous tendons, on nous prend les sons pour ne pas oublier l'Éternel. Nous, dans la semaine, ça, nous avons dit que l'autre peuple, nous ne pouvons pas oublier l'Éternel. Et nous avons aimé nous-mêmes, nous copier sous lui. Peuple, ça, cependant, il est capable de retrouver cela dans lui. C'est ça, nous avons dit, les pèlerins d'Angleterre, ou bien, ça y est, les pilgrims en anglais. Moi, nous sommes les premiers Américains. Moi, les premiers Américains, ça veut dire pas Américains qu'on y a. Ça veut dire bien, oui. Parce que vous ne pas confondre. Parce que pilgrims, c'est les pèlerins, c'est que vous êtes en Angleterre. Alors, ça a commencé avec la réformation protestante. Nous avons parlé de ça quelques semaines passées. 1517, l'Église catholique divisée. Nous venons les nous protestants et puis ils ont même été catholiques. Mais la réforme, ils gagnent tout partout. C'est comme ça qu'ils ont gagné la France, la Suisse, l'Angleterre. Et bien bon, quand l'Église qui formait là, ils avaient dit qu'ils réformaient. Mais malgré ça, l'Église là, ça arrivait, ils ont accepté le pape là comme maître au chef. Mais après ça, ils voulaient qu'il y ait tout l'autre principe de l'Église catholique, les cérémonies, les gens qui ont fait des choses, la Seigneur, le baptême, etc. Quand il y a un groupe, il y a les puritains, ça veut dire dans l'Église là, ils ont dit non, nous-mêmes, nous voulons une réforme correcte. Même gens, élite au commencement, nous finis avec l'Église catholique, nous ne pouvons pas faire rien pour eux. Ou à Jacques, et malheureusement, je me dis, mais c'est lui qui était fait traduire vraiment premier Bible en anglais, ou Jacques, il a fait un bon travail. Mais lui-même, il était supporté toute bagaille catholique. Quand il y a les puritains, il a dit non, il n'est pas capable. Quand il y a les puritains, il a divisé en deux parties. Il y a un groupe qui dit, nous-mêmes, nous ne faisons pas, non. Pourquoi est-ce que les Haïtiens font aujourd'hui? Il a dit, je ne vais pas quitter Haïti. Il a travaillé jusqu'à ce que Haïti range. Mais il y a un autre groupe, là-dedans, excusez-moi. L'autre groupe l'a dit, nous ne pas arrêter à lutter, au point de nous quitter. Nous, même Jacques Haïti, un groupe choisi pour y arrêter, et nous mettons tout le monde pour quitter Haïti. Nous avons fait un changement. Mais quelqu'un qui dit, ah, mon cher, lutter, puis nous trouver des comme, pas comme ça que va passer. Et bien, c'est comme ça, groupe ça, tout d'abord, était a quitté l'église, il y a allé au Lène, dans le pays au Lène, il y a allé là, et puis de temps, il est arrivé là, et vous avez commencé à persécuter, vous mettez les gens en prison pour ne pas accepter la doctrine, même la doctrine catholique là, pour ne pas accepter. Et puis c'est comme ça, des temps là, vous dites, mais bon, vous mettez des gens. Vous entendez parler d'Amérique, et il n'y a pas de quoi Amérique, mais vous entendez dans l'autre pays, vous mettez des gens, côté pour vivre une salle, freedom, religious freedom, liberté religieuse.
Et c'est comme ça, Mounio, en 1620, voyez, septembre 1620, il a pris un petit bateau, ça, il a mis Flower, ou bien les fleurs de mai en français. Et puis, il a pris un petit bateau, voile ça, pour sortir dans la zone ça, et puis pour venir atterrir, et là-bas, Massachusetts. Parmi eux, il y a environ 100. Donc, là, il est arrivé. Ça arrive, c'est indien. Je ne sais pas si on a des indiens, c'est mon sauvage. Avant, il y a un Haïti, il y a un jour, il y a un indien. Après, il n'y a pas mon facile. Quand missionnaire t'a raconté nous, les premiers missionnaires étaient capables de prendre pied aux Indes. Qui j'en peux faire, là, ils passent, là, ils allent dans la zone, ils ne peuvent pas qu'un indien ou à le cocher le côté. Comme ça, parce que pour eux, ou pas mon ancien indien, ça. C'est eux qui mon, ils ne peuvent pas qu'on soit. Et puis, ils ont dit, missionnaire, ça, ils ne peuvent pas faire un petit avion. Côté où un groupe indien, il passe et il a lagé fromage, il a lagé pain, à terre sous tête. Et puis, l'indien est venu, il a gardé salier. Salier, il prend le sentil, goûte le bio, il mange. Quand il y a un avion encore, quand il y a gardé, il y a tant. Et puis, finalement, il y a un mounsayo, et puis, il y a dit, ah, c'est mounsayo qui nous porte pain pour nous, et comme ça, pour nous recevoir, parce que depuis que nous avons tué. Ça veut dire que le peuple a été passé, bon timide, il y a arrivé. Premièrement, ensuite, il y a des Freddy. Il n'y a pas de rien pour Freddy. Freddy, pas même avec Freddy. Bonzonio, quand pile ça fait même un pile mouille Freddy, maladie, grand goût, premier, ça nous premier américain. Yo. Ou bien les pilgrims, ou bien les séparatistes. C'est comme ça, ils ont venu, ils ont souffert, et puis ils ont commencé à mettre ensemble. Et puis, c'est la naissance des États-Unis. Tout. C'est commencé. Pays, hein? Et là, ils ont commencé même, et c'est là. Après un an, il a souffert et puis un Dieu a été montré comment planter, comment produire, comment pêcher, comment chasser. Et puis Kounia a dit bon, il a été une récolte abondante. Même Jean, peuple Israël là, c'est dans l'abondance. Kounia dans l'abondance. Mais ça a été gagné plus là, il a été produit. Là. Ça, c'est maïs et pois et puis ça a été squash ou bien jumeau. C'est ça. Mais il a été si tellement reconnaissant. Il n'y a pas de l'autre bagaille, il n'y a pas de l'avant. Et puis, il y a réuni, et puis, il y a réuni indien, il y a recevoir, il y a aidé. Et puis, il y a venu faire, il y a fait Thanksgiving, fait ça, veut dire, fait d'action de grâce. Premièrement, il y a dit, bon Dieu, merci. C'est ça fait. Et puis, deuxièmement, tout, il y a profité, dit indien, il y a merci. Ça fait inviter, il y a même bien façon par eux, et puis, il y a venu manger avec eux. Mais, premièrement, il y a dit, bon Dieu, merci. Qui a fait traverser la mer ça. Il a fait environ 2 mois pour traverser la mer. Là, il est arrivé, il n'y a pas de monde dans la zone, il n'y a pas même peuple. Pour faire une faveur, quand il y a mangé, il a boué. Même le premier petit caillot, il a fait. Et même il a parlé de petit caillot, il a descendu. Il n'y a pas de côté, il a crété dans le bateau. Et puis, quelqu'un est allé au petit bois. Et puis, quand il y a eu qui est américain, mais c'est comme ça qu'il a commencé. Mais c'était avec l'esprit, il n'y a pas de l'oublier, mon Dieu. Il fait première. Ça fait me dire, ce n'est pas même américain. Il y a quelques monde qui toujours songe bon Dieu aujourd'hui. Mais il y a quelques pile monde américain pas même qu'on histoire. Et il n'y a pas besoin qu'on ait le tout, il n'y a pas besoin qu'on ait le tout. Ou qu'on a pile monde, bon, de cette expérience-là, un jeune qui travaille parmi nous, semaine passée, et puis le bon bail, et on lit Thanksgiving, Thanksgiving. Je me dis, qui ça? What Thanksgiving? Qui ça lié? Il est choqué. Oui, il est choqué. En pile, le monde comprend ça, vrai qu'on y a, en pile, même américain, oui. Yo, quand Thanksgiving, là, c'est synonyme de choqué. Tandis que Thanksgiving, là, c'est synonyme de bye, bon Dieu, gloire. Dis, bon Dieu, merci pour ça, le faire pour nous. Et ben, nous, spécialement nous-mêmes, nous faire Thanksgiving, là, nous pas faire le même genre. Mais c'est ça lié, c'est nous dire, bon Dieu, merci, premièrement, pour la vie éternelle, Libanon. N'a pas dit merci pour la vie physique libanon, n'a pas dit merci pour la vie sociale libanon, n'a pas dit merci pour travail libanon, n'a pas dit merci pour famille. C'est une occasion nous profiter dit bon Dieu merci. Même qu'on ait quelqu'un américain qui toujours fait li. Qui dit bon Dieu merci. Pas j'ai oublié pendant 20 années et nous dans Publix et puis on te font toujours après chaque 5 ans un bagage yo fait pour employé yo qui gagne 5 ans. Eh bien je te mets dans Jacksonville, dans l'hôtel, côté des milliers, personnes à travers tout le district là réunis. Mais ça qui est intéressant, là, ils sont réunis, manger Paris, tout le bagage. Avant, ils ont fait quoi que ce soit. Et puis moi, je dis, eh bien,
à nous dire bon Dieu merci pour toute année ça. Il va être 1930. Voyez, public start. Il a commencé. Et puis il dit bon Dieu, qu'est-ce que nous là? C'est comme ça qu'on a prié. Ou qu'est-ce que nous, Seigneur? Merci, merci. Ça veut dire toujours un petit groupe qui a reconnaissance à bon Dieu. Il faut nous mettre tout le monde dans le même sac. Oui, il y a division de parti. Il y a des gens qui prient bon Dieu. Les Américains prient bon Dieu. Mais les Américains tous songent bon Dieu. Si vous venez grand, vous ne pouvez pas faire tout grand. Comprenez? Si vous êtes belle, vous ne pouvez pas faire tout belle. Vous ne pouvez pas faire misère. Et même gens avec, un pile parmi nous, je nous y ai aujourd'hui. Souliers nous comme était aujourd'hui. N'est pas nous pas de camé de souliers ça tout le temps. Nous tout dit ça me songer dans le travail et yo t'a bailler sa première l'église dans le travail me côté les larguer. Sous Beaumont, monde qui compte zone là. Songer me des petits souliers, ça me petit step ouvert. Yes. Bah là pour arrête pour me des marchands environ 2 heures trop mal ça veut dire dans service ouvrier côté tout ouvrier. C'est sous dans marché tant petit bail a fait mal. Ouais, qu'on y a on va choisir. Oui, amen. Nous n'avons pas oublié, mon Dieu. Nous sommes un blanc. Il a prêché à Haïti. Amen. Blanc prêché. Blanc, il est venu au magasin, il a mis son soulier. L'autre, il m'a mis soulier. Blanc, il a parlé. Il pète en moué. Et puis, mon Dieu vient de sa gain. Il dit même, regardez mon carte soulier, m'a acheté là. Un blanc, il y a. Parce que les hommes, la première fois, il met ton soulier comme ça. Il gagne reconnaissance. Il va oublier côté le sorti comme dit. Faut nous pas oublier côté nous te sorti pour ne pas comprendre nous te fait. Mon de bien, nous sorti loin. Nous sorti loin et puis on te mette nous là. Quand elle mette dans pays, un prédicateur là avec Seigneur. Il dit nous amis m'a dit monsieur dit avant de mourir, il m'a fait deux messages m'a prêcher. Deux messages. Si j'allais deux sujets messages. C'est ciel avec États-Unis. Oui, oui. Parce que dès que le monde finit de se sauver, on l'a côté au besoin, c'est les États-Unis. On a changé le bâton. Donc, on a un ciel céleste, un ciel terrestre. Ça veut dire que nous ne sommes pas les premiers à nous, mais nous mettons le devant. Eh bien, c'est ça qu'on a fait pour nous là, oui. Nous sommes sauvés pour nous aux États-Unis. Ça nous fait encore. Frère, c'est pas plein, même si vous êtes malade. Quand on est malade, quand on est malade, il y a le fond casque pour moi. L'homme qui veut qu'on s'amène pas calculer, va regarder un carton pareil, ça a mis sous tête moi là. Regardez, j'ai un grand nez, bah la montée descend. Moi me dis monsieur, l'homme de lever à Haïti, pas de blague pas ça. On va calculer ça, résultat, on va occuper. Monsieur, au moins, j'ai un bagage là hier. Mais comme nous n'avons pas écoulé l'être avec miel là. Premièrement, l'autre canarin, on connaît là, nous prenons là-dedans. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on prépare pour nous? Et pas canard en Jérusalem, non, mais vrai canard céleste là. Et puis qu'on y a même, mais nous, on est capable de nous notre canard terrestre là. On nous pas plein, on nous pas fait courir les enfants d'Israël, parce qu'ils ont adoré l'autre Dieu. Quand ils arrivent canard, ils tombent à dos et baral, ils tombent. Et puis bon Dieu, puni yo. Bon Dieu, vraiment, même monde qui gagne reconnaissance. La femme de Thanksgiving, non, sont faites de reconnaissance. Mais les bons, leur fête et tout, ou manger, ou boire, ou danser, ou jouer, mais songer. Monde qui permet ou là, c'est l'Éternel. Alors comme moi dit, c'est même gens pour la table du peuple la conseil là. M'bay tête moi, m'ba oul. Quel que soit route nous, quel que soit la genou, quel que soit Jean Canet banque nous, quel que soit gros machine n'a conduit, gros professionnel ici, pas oublier bon Dieu.